Hello, 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 j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien comme d'habitude. Alors, on commence notre épisode aujourd'hui chez nos amis les villageois, pardon. Et j'ai un peu galéré pour choper celui-là. Bon, non, il est là en fait. Mais le problème, c'est qu'il a plus de maison. Et quand il a plus de maison, donc ils vont partout. Et donc, j'ai réussi enfin à le coincer. Et donc, tout ça, pourquoi? Parce que, au fait, je voulais juste prendre. Rappelez-vous, à un certain moment, je vous ai dit que le Semering, celui qu'on pouvait faire de la lave avec, et il nous en fallait un peu. Donc, je suis venu prendre un peu chez lui. Voilà, j'ai pris 21. C'est parfait. C'est parfait en plus. Ok, ça, je lui donne cadeau. Je l'ai torché. Donc, il est content. Je suis content. Tout le monde est content. Et la vie est belle. On va à la maison pour le crafter. Pour le crafter, pour voir ce qu'on peut faire avec. Donc, à la maison, donc je vais prendre mon Simmering. Je vais regarder juste dans l'utilisation. Mon Simmering Camp, pardon. Et je vais le mettre là-dedans. Il va me donner, dans le centrifuge, pardon. Et il va me donner du wax, au fait. Donc, qui est tout simplement une quête qu'il fallait faire. Et il me donne le phosphore, celui qu'on extrait la lave du phosphore, en fait, tout simplement. Donc je vais mettre mes 21, j'en ai pas besoin de plus. Parce qu'il y avait un autre en fait qu'on avait fait avec le mélo qui nous a donné du honey d'eau. Il nous a donné 3 les biswax, on va dire. Ok. Donc qui était une quête aussi. Donc on l'a fait avec. Voilà. Et donc lui, c'est sûr qu'il va nous donner aussi les rouges, c'est ceux-là. Donc il m'en faut les 3 aussi, il m'en faut 3. Il en faut un pour une quête. Et 3 pour une deuxième quête qu'on va faire tout de suite, comme ça c'est fait. Parce qu'aujourd'hui je vais essayer de. Voilà, il m'a donné du phosphore, c'est cool. Mais j'en ai pas besoin pour l'instant. Et hop, il m'a donné les 3, c'est parfait, je suis content. Ok, les 3, qu'est-ce qu'on va faire avec? En fait, tout simplement. J'ai laissé ma table, ma mini table de craft là-bas. Donc les 3, qu'est-ce que je vais en faire? Les deux, je vais en faire quoi, pardon? Donc la ferme elle tourne bien, il n'y a pas de soucis, donc voilà. Et en fait, j'enchaîne directement les deux épisodes d'un coup, en fait. Donc, hop, je viens ici, j'ai fait ça, et il m'a donné des wax capsules. Celui-là, et celui-là, il m'a donné des, je me rappelle plus quoi, capsules. Des réfractory capsules. Et hop, et double quête d'un coup. Donc là, on est en train d'enchaîner les quatre. Allez, merci. Et en sachant qu'il n'y a pas comme ça, c'est des capsules en fait qu'on peut remplir de choses et d'autres façons de parler. Donc voilà. Et en sachant que c'est pas les seules capsules qu'on peut faire, il y a aussi un système de canettes, on appelle ça. Je ne sais pas si on va s'en servir ou pas, mais il vaut mieux savoir que ça existe. On fait un genre de chapeau comme ça et ça nous donne 10 canettes, 10 cannes, ils appellent ça. Et ce sont des canettes qu'on peut remplir. Ce n'est pas un challenge. Qu'on peut remplir tout type de fluide. Et pour ça, il va nous falloir une machine qui s'appelle le bottler, qu'on va faire certainement cet épisode, il n'y a pas de souci. Mais histoire de finir rapidement dans nos quêtes, on va faire un craft qui s'appelle. Je vais essayer de voir le nom sans me casser la tête trop. Je sais qu'il a un rapport avec le pit. C'est Pitfire, non? C'est Pitfire, je crois. Je crois que c'est le Pitfire, quelque chose comme ça. Ou Fire Pit. Oh non, je ne le vois pas. Bon, c'est pas grave. On va chercher son nom différemment. Autrement, pardon. C'est, hop, tout ça. C'est les quêtes qu'on vient de faire là à l'instant. C'est celui-là, en fait. Ouais, Pitfire. Bon, voilà. Ouais, c'est des pits. Ah ouais, non, mais j'ai pas bien écrit Pit, moi aussi. Ok, Pitfire. C'est celui-là. Donc, Cooper, des Cooper Gear, piston et une glace. Hop, on le fait directement sans trop se poser de questions. Et lui, il sert à quoi? Il sert tout simplement comme le biogaz à faire de l'énergie. Donc, on le place comme ça. Toujours levier, signal redstone. Ok. Ça, j'ai fait exprès ça. Celui-là, je l'ai laissé dans mon. Le graffeur, on en a parlé la dernière fois. J'ai laissé dans mon inventaire. Il y a celui-là qu'on craft. Utilisation. Non, non, pas utilisation, c'est recette, pardon. C'est celui des utilisations. On peut le crafter. 150 utilisations, on l'a dans les coffres chez les villageois un peu partout. Donc, pour revenir à l'explication au Pitfire.
En fait, il fonctionne comment? Non, je les ai pas pris. Donc, en fait, on met tout simplement du pit à l'intérieur. Donc, et le pit va se brûler, se consommer, on va dire. Et juste après, ça va nous générer de l'énergie. Quand voilà, hop, vous avez vu, il y a un truc qui a sauté ici. Ça doit être les graines, comme je vous ai dit. Hop, on les met là. Le pit, ils m'ont fait de plus en plus. Donc, voilà, on en a du pit maintenant, il n'y a pas de problème. Donc, ça marche. Pour l'exemple, je vais en faire que deux. Donc, parce que j'en ai pas l'utilité, à vrai dire, moi. À notre niveau, on n'a pas l'utilité. Mais c'est juste, j'explique, si vous avez la possibilité de le faire avant, donc vous savez que vous avez une source d'énergie avec celui-là aussi. Donc, le Pit Fire Rod, vous le mettez là-dedans, ok. Il commence à. Qu'est-ce qu'il me fait? Bah, si. Ok, j'avais juste oublié de l'allumer. No fuel, oui, c'est normal. Il me dit no fuel, il attend un prochain. Mais lui, il est déjà fait, en fait. Il a déjà consommé, donc il est en train de générer de l'énergie, tout simplement. Donc, il va la libérer d'ici une fois qu'il est collé. Donc, il veut peut-être éventuellement une deuxième. Voilà. Donc, il va. Mais il y en a une, il est déjà consommé, on va dire, il n'y a pas de problème. Donc, il nous génère de l'énergie comme ça. 20 RF, c'est pas énorme, particule. Et après, il va faire le stockage qu'il va faire. Donc, voilà. Donc, c'est un peu comme le biogaz, si vous voulez, avec le biogaz. Lui qu'on a fait, le biogaz engine, avec de l'eau et de la lave, et lui, il a besoin tout simplement du pit. Voilà l'explication de ce pit fire engine. Il me donne ça. Ok, je prends. Donc, on avance relativement bien. Donc, voilà. Aujourd'hui, donc, ça, on a dit que c'est bon. Ok. Ok, claim. Ok. Ah oui, ok. Ce coffre-là, c'est le coffre, comme on a fait, on va le faire, pas de problème. Comme on a fait un coffre pour les papillons et les abeilles, donc c'est un coffre pour faire des. Allez, on va faire un coffre pour récupérer ou stocker tout ce qui est pousses d'arbres, les arbres, ainsi de suite, de forest, du mode forest. Foresterie, pardon, excusez-moi. Et donc, il nous faut un verre et un coffre. Un coffre, les coffres, j'en ai parce qu'à chaque fois que j'en pique. À chaque fois que je vais à un endroit, je pique des coffres. Ok. Et un coffre. Bon, j'ai dit un seul. Oula, qu'est-ce qu'il me fait là? Ma souris, elle déconne pas mal là. Ou un coffre et un verre comme ça? Ok, c'est plutôt ça. Donc, c'est un truc. Arboristory chest. Et voilà, donc l'arboristory chest, on l'a fait, donc on a fini tout ce côté-là, on l'a fini, hop. Et il nous dit qu'on est 4 espèces sur 35 de pousses et de compagnie, ça là, on est content de le savoir. Merci bien. Et il me réclame ça, donc c'est bon, on a pratiquement fini. Donc il nous manque ce côté-là, ok, qu'on va faire. Et c'est l'analyseur qu'on aurait pu faire pratiquement dès le début, mais c'est pas grave, on va le faire. Donc, on va parler du portable analyseur. Le portable analyseur, en fait, se craft dans le Carpenter avec de l'eau. Et une fois qu'on a le Carpenter ouvert, si on tape son nom, par exemple, on le fait, donc on peut transférer le schéma, on va dire, ou la recette directement dans le Carpenter. Et ça marche. Donc maintenant que c'est fait, donc on va prendre tout simplement là il me dit qu'il n'y a pas de ressources, c'est normal. On va juste les transférer. Et il se fait avec quoi? Il se fait avec tout simplement avec du tin, 4 tin, un diamant, de redstone et de vitre. Donc tin, 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 redstone. Ok, donc c'est bon, il va le faire. Il va mettre un peu de temps. C'est pas grave. Donc c'est assez rapide, il n'y a pas de souci. Quoi qu'il en soit. Donc, ok, je vais juste ranger un tout petit peu parce que voilà. Donc, ça sert aussi de stockage, au fait. Oui, non, c'est vrai que j'ai pris tout d'un coup, il n'a pas trop aimé. Et je prends ça aussi, tant qu'à faire, tant qu'il est en train de le faire, on va juste avancer cette carte-là. Ouais, mais il va manquer de l'espace. Non, c'est bon, j'ai 4 places exactement. Donc, ça, c'est la tenue qu'on s'est dit qu'on allait faire de l'apiculteur, pardon. Donc, ok, le pantalon, on va dire, hop, hop, et hop, donc, tam, 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 et donc, tout simplement, c'est une tenue, donc, voilà, donc,
qui diminue, on va dire, l'attaque des abeilles, si vous voulez. Voilà, donc c'était fait. Et c'était un peu galère à faire parce que, rappelez-vous, on le fait avec des silks, je ne sais plus quoi, qu'on récupère. C'était assez complexe. Mais bon, c'est fait. On n'en parle plus. C'était long, mais il nous fallait 6 ou 7 stacks de je sais plus quoi. Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi? Ah oui, il m'a rempli l'eau. C'était pas malin de ma part, c'est pas grave. J'ai rempli l'eau en fait donc de ça, donc c'est pas grave. Donc une fois que c'est fait, on a notre portable analyseur que je vais mettre là. La tenue, je la mets là, histoire de me soulager. L'eau, vous inquiétez pas, je vais la remettre à sa place dans le sens. Ok, je prends ça et l'eau, hop, je la mets là. Donc une fois qu'elle se vide, elle va se vider. Donc je récupère ma canette. Et donc on a notre portable analyseur. J'adore ce bruit. Toujours, toujours j'adore ce bruit. Le portable analyseur, ça sert à quoi? Hop, on l'ouvre. Ça parle pas. Ça ne nous donne rien. C'est normal. Il nous manque deux choses. La première chose, il nous faut l'alimenter en quelque sorte. Et on l'alimente un peu comme habitat locateur, pardon. Donc tout simplement avec du miel. Donc on prend. Non, c'est pas là. C'est là. On prend un peu de miel. Tiens, on prend pas beaucoup. Donc on lui met un peu de miel. Le miel, hop, c'est il va utiliser un miel par. Hop. Donc c'est bon. Il va utiliser un miel par spécimen d'abeille. On va faire, je crois que les abeilles. Non, on peut faire autre chose que les abeilles. Non, on peut faire. Oui, avec les abeilles, oui, pardon. Et il va nous donner un certain nombre d'informations sur les abeilles, lui. Comment les accoupler, qu'est-ce qu'elles mangent, qu'est-ce qu'elles font, etc., etc. Donc il va nous donner plein d'informations sur les abeilles. Donc les abeilles, je vais prendre une forestière, par exemple. Allez. Clic droit, je prends ma forestière et je la mets là. Oui, avant de la mettre là. Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte là? Il nous dit que c'est un truc de génétique analyseur et tout. Donc, il va nous donner quelques points. 1, général. 2, environnement. 3, produce. Qu'est-ce qu'elle produit? 4, évolution. Et il y a même un cinquième, je crois qu'on ne va pas parce qu'il y a un bug d'affichage. Donc, le 1, il est là. Le 2, il est là sur la droite. Le 3, le 4 et le 5. Et là, c'est voilà. Donc, on prend notre abeille et donc, elle va passer directement au 1. Donc, il nous dit l'espèce forestier, active, inactive, quand elle est active, quand elle est inactive, live spawn, shorter, slow leur production, slowest, elle est lente, pollination, bon voilà, slowest, type de fleur, tout type de fleur apparemment, fertilité, elle donne 3, je ne sais pas quoi, effect, non, 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 non. On passe au 2, on la prend, on la met au 2. Le 2, qu'est-ce qu'il nous dit? Le climat, pardon, normal. Tolérance, plus ou moins 0. L'humidité, plus ou moins 0. Nocturne, non, elle n'est pas nocturne. Tolérance fly, non. Flayer, je sais pas. Donc, dans les caves, elle ne fait rien dans les caves, ainsi de suite. La 3, qu'est-ce qu'on a dit? Production. Production, elle nous produit du honeycomb. La 4, c'est quoi? C'est l'évolution. En général, il ne le sait pas, parce qu'on n'a pas fait des tests de mutation, de production. Possible mutation, donc il se pourrait qu'elle est possible. Donc, une avec une autre. S'il nous affiche rien, c'est qu'on ne peut pas. Donc, mais là, il nous dit qu'elle est possible. C'est une évolution. Donc, nous, on n'a pas fait beaucoup de choses de notre côté. Et en quelque sorte, on est en train d'agrandir plus ou moins notre base de données, façon de parler, des abeilles. Donc notre connaissance des abeilles. Donc cette abeille, on en sait un peu plus. Donc tout ce qui est forest princess, tout ce qui est voilà, on en sait un peu plus. Donc voilà, flower, ainsi de suite. Et ça consomme par abeille ou par type d'abeille. Non, par abeille, un nez, donc un miel. Donc celle-là, j'enlève et je la remets. Donc autant que je veux, ça va pas reconsommer. Donc voilà. Par contre, si je la mets dans mon inventaire et je la remets. Non, ça consomme pas, donc ça a déjà consommé. Donc voilà, donc prisme, zéro génération et capacité, donc voilà. Donc, on a un certain nombre d'informations, donc voilà pour le portable analyseur, qui peut être très intéressant pour les gens qui veulent faire à fond le mode forestry. Bon, moi, voilà, donc il fallait que voir ça, on a vu, c'est bien, je suis content, et tout va bien. Donc, on revient là-dedans, cube de chance, ok. Oula, je commence vraiment à en avoir les cubes de chance. Donc là, on a pratiquement, j'ai dit bien, pratiquement fait le tour. Il nous manque le dernier, ouais, ça je peux le claim.
Il nous manque les deux derniers. Le troisième, je peux pas le faire. Rappelez-vous, parce qu'il est en mode, on a parlé la dernière fois, créatif seulement. On va parler des deux autres. Déjà, on va commencer par les crafter. Donc, le premier, on va crafter, c'est le trade station. C'est la station de trade, c'est à l'étal, en fait. C'est l'endroit où on va faire notre trade, notre achat et vente, en quelque sorte. Il va nous falloir des bronze, je crois qu'il en faut 5. Des bronze électron tube, il en faut 5, il me semble. Je crois. Et deux coffres, c'est sûr. Pourquoi je me prends la tête, moi aussi? Donc j'ai le coffre là. Donc, ok. Ah bon. Ah non, il faut de l'iron, ok. Et du bronze. Donc, oui, c'est comme ça, si on ne fait pas attention, on pense que c'est tous du bronze. Ok, c'est pas grave. Et donc, qu'est-ce que j'ai qui manque aussi? Et ça on l'a. Donc je vais faire de l'iron dessus, donc c'est pas trop méchant. Celle-là, on l'a fait la dernière fois, on a fait les 4, donc et on les a pas juste pas récupérés. Donc celle-là, on l'a fait. Et je vais faire des électrotubes d'iron, en fait, simplement. Ok. Donc les iron, ils viennent là. Ok. Je vais les faire. On va les faire ensemble, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Donc hop, je vire ça et ça. Ok. Je sais que j'aurai pas assez, je sais que c'est ça, tout simplement. Hop. Et j'en prends que deux, parce que j'ai besoin que deux. Donc celle-là, j'en ai plus besoin du coup. Je les ai reposées, ok. Donc on va se la faire. Et hop. Et du décoffre, il va se servir tout seul dans mon coffre. Donc c'est la trade station. Et on va faire la mailbox. La mailbox. Mailbox, c'est une boîte aux lettres, tout simplement. Et il nous faut encore une trading station. Ok, pas de souci. Ok. Et hop. Voilà, on a une. Les deux, je vais les poser pour l'instant. Là-bas. Le plus loin possible. Non, je plaisante, c'est pas. Je vais juste prendre avec moi une feuille. Parce que. Un papier, pardon. Ce que je vais en avoir besoin, hop, par anticipation. Et les stamps. Les stamps qu'on a fait la dernière fois, je ne me rappelle plus où est-ce que je les ai mis. Les stamps que je rappelle, pour rappel, c'est juste des timbres, pardon, excusez-moi. Donc, on prend nos deux boîtes. Je vais faire une boîte ici et une boîte là. C'est joli. Donc ça là c'est la mailbox et celle-là c'est la trade station. On en fait quoi? Très bonne question. Je vais juste prendre un propolis qui est un déchet de tout premier qu'on a fait en fait. Donc c'est juste un déchet en fait. Mais on va s'en servir maintenant pour faire un test en fait tout simplement. Donc là il me demande de rentrer mon nom. Donc voilà, mon nom, oui, bonjour, je fais entrer pour valider. Il me dit, bonjour, t'es chez toi. Je lui dirais, merci. Donc il me dit, qu'est-ce que tu veux vendre? J'ai dit, bon, ben, déjà, je mets un timbre, j'ai ça à vendre, je le mets d'enceinte et j'ai tant de quantité à vendre. Ok, c'est cool. Là, il me dit que j'ai pas de papier, je lui mets au moins un papier. Need a paper, ok. No set. Notre headset. Ok. Et qu'est-ce que je cherche? Je cherche par exemple du colle. Ok, c'est bon. Je cherche du colle. Là, ce que je vends, là, c'est ce que je veux acheter, façon de parler. Je fais juste des tests là. Ok, il est content pour l'instant. Il me dit qu'il a besoin d'un peu plus de papier. Il n'y a pas de souci, on va lui donner du papier. Et il me dit que il n'y a pas assez de timbres. Il faut savoir, les timbres, pour une lettre, si on veut juste une lettre, il faut un timbre. Après, normalement, si je ne dis pas de bêtises, pour chaque item, ils font un timbre en plus. Donc là, ok, donc là c'est bon, il me dit que c'est bon, il a assez de timbres. Et ça, c'est des timbres de base. Et donc ces timbres, il y en a plusieurs valeurs, ainsi de suite. Donc là, pour l'instant, ça lui convient, juste l'histoire de papier que je vais lui donner un peu plus. Hop, on va lui donner du papier en plus. Ouais, donc je lui donne ça, c'est bon, ça suffit parce que j'en ai besoin d'un. Ok, donc là pour l'instant, ça lui convient. Je vous donne l'explication comment je l'ai compris moi. Parce que moi, j'ai pas pu le vérifier. C'est vraiment très confus les informations qu'il donne. Donc je vous donne à peu près les informations. Donc vous voyez qu'il n'y a plus de point d'interrogation. Ça a l'air de fonctionner correctement, plus ou moins.
Mais bon, c'est des quêtes, je peux m'arrêter là, mais j'essaie au moins de vous expliquer, même si c'est pas tout à fait vrai, mais bon, ça fonctionne, il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas. Et je suis pas sur un serveur, et voilà. Pour l'histoire le dernier truc qu'on n'a pas réussi à faire, je me rappelle plus comment il s'appelle, c'était, hop, pourquoi on complète? Le stamplet, le stamp contrôleur. Lui, je suis sûr que je l'ai vérifié, ça fonctionne très bien. Donc, il n'y a pas de problème. Donc là, donc en gros, notre station, donc si on est sur un serveur, la station Embad, voilà, Trade Station, on peut les voir, on peut acheter et vendre ce qu'on veut. C'est payer les taxes sont payées, c'est des timbres, les taxes sont payées. Donc, on attend. Donc, moi, j'aurai rien, c'est sûr, je suis en local, il n'y a pas de problème. Pour la mailbox. La mailbox, comment ça fonctionne? Donc déjà, il faut faire une lettre. La lettre, on la fait tout simplement avec un papier et un propolis. Ça nous donne une lettre blanche. La lettre blanche, je viens, je fais un clic droit dessus, je me l'envoie à moi-même. J'ai le droit. OK. Donc, il va vérifier, je lui dis coucou. Allez, coucou. Donc c'est bon, OK. Il me dit qu'il manque des timbres. Je lui dis OK, je te mets un timbre. Elle est presque prête, mais je lui dis, tiens, je te donne un échantillon, du bronze. OK. Et il me dit, le coucou, il a pris un timbre, le bronze, mon ami, il te faut encore un timbre. OK, je lui demande un deuxième timbre. Et c'est bon, et j'envoie. Player, OK. C'est parti. Normalement, notre Edora Station available. OK, coucou. Si je fais un escape, normalement, elle est partie. Non, elle est pas partie. Non, je fais un clic droit dessus, pardon, sur mon mailbox avec l'enveloppe et elle part. Donc, elle est partie. Et de l'autre côté, moi, en haut à gauche, on me dit que voilà, Badr, tu as reçu une lettre. Donc, voilà, je suis en train de jouer, je suis en train de faire ma life et j'ai reçu un courrier. Donc, on le voit en haut à gauche. Le coût, c'est 0, une lettre. Donc, je viens. Je dis, ok, ah oui, c'est qui? Ah, c'est un bar qui m'a envoyé ça. Ok, merci, il est sympa, je récupère. De ma boîte aux lettres, si vous voulez. Je viens, je fais un clic droit. Donc, un badre, il me fait un coucou. Il m'a envoyé quoi? Et il m'a envoyé tout simplement. Donc là, on voit bien le symbole, la lettre, elle est ouverte, on court. Je récupère mon bronze. Ok. Ah, c'est sympa, il m'a envoyé un bronze. Et là, la lettre, elle est fermée et complètement, pratiquement condamnée. Elle ne sert à rien. À part qu'il me dit chat, already mailed. Ok. Il me dit que la lettre a été déjà postée. Donc, je ne peux même pas la stocker nulle part. Et voilà. Elle est déjà lue. Donc, voilà comment ça marche, l'histoire d'envoi de mail, ainsi de suite. Donc, sur le serveur. Donc, ça se passe tout simplement comme ça. Donc, bon, comme je suis en local, donc je ne peux rien acheter, rien vendre. La lettre, bon, on en a fait une pour faire le test. Et donc, voilà comment ça fonctionne. Et voilà comment officiellement on a fini. Ta-da-da! Celui-là, c'est il n'y a pas de craft. Donc, il ne faut pas chercher, il n'y a pas de craft. Donc, voilà. Celui-là, en créa. Et là, on récupère les chest loot, les loot chests. Ok, il y en a un qui est tombé par terre. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et donc, c'est bon, on a tout récupéré et on a fini l'agriculture expansion. Et quand on va là-dedans, non, c'est pas là. Quand on va dans. Non, pas dans Grind, j'ai toujours du mal. Dans Exploration, il nous dit que. Est-ce que tu es sûr que tu as fini? Je dis oui, j'ai sûr. Il va le détecter tout seul. Ok. Et il me dit oui, c'est vrai, tu as raison, tu as fini. Et donc, on va le voir. Et le cube chance, comment je le récupère? J'ai pas de place, au fait, tout simplement. J'ai de la place. Okay, j'ai pas de place, non mais, ok. Ok, là, j'ai de la place. Et je récupère mon cube chance. Et on a fini complètement l'agriculture. Donc, voilà, on a fait au mieux, mais voilà. Donc, on a dit celui-là, pas de craft. Celui-là, craft au mode créant, pas la peine. Et celui-là, on a besoin de tout ça. Donc, c'est énorme à faire. Pour avoir de la royale gelée, donc on a parlé que c'était pratiquement impossible dans notre cas, il n'y a pas de problème. Et je reconnais que je ne pourrais pas le récupérer. C'est possible, mais c'est extrêmement lent. Donc, à partir de l'épisode prochain, on va passer enfin à l'Industrial Révolution avec l'Excavator. Et peut-être qu'on fera deux, trois quêtes un peu à gauche, à droite, histoire d'avancer un peu nos quêtes.
Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que vous allez liker, que vous allez le faire partager, ça me fera super plaisir. Que vous allez mettre quelques petits commentaires sympathiques, comme vous savez faire, bien sûr. Et je vais avoir le plaisir de vous avoir comme abonné si c'est toujours pas fait. Si c'est fait, je vous dis merci beaucoup de votre fidélité. À très bientôt. Ciao, 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 ciao.